Bonjour à tous, c'est Siane et on se retrouve dans un nouvel épisode de Chronique Nature. Promenons-nous dans le verger. Mais avant, réponse à la devinette précédente. Les plantes aromatiques sont cultivées depuis le 7e siècle sous les ordres de Charlemagne. Allez, allons découvrir les arbres fruitiers. Le verger conservatoire est composé uniquement de variétés anciennes d'arbres fruitiers, donc vous n'y trouverez ni de Pink Lady, ni de Granny Smith. Nous avons au total une cinquantaine d'arbres fruitiers, comme des cerisiers, des pruniers ou encore 28 pommiers. Je suis sûre, depuis le début de l'épisode, vous vous demandez peut-être pourquoi certains endroits ne sont pas tondus. Tout simplement parce que déjà, c'est pas forcément utile. Et surtout, l'herbe va pouvoir protéger le pied des arbres. Les fleurs vont attirer les pollinisateurs et on évite ainsi également l'érosion du sol. N'oubliez pas que chaque année, nous accueillons des classes d'école dans ce verger et nous organisons également des animations comme la taille et la greffe des arbres en hiver et notre fête de la pomme en octobre. J'espère que ce nouvel épisode de Chronique Nature vous a plu. On se retrouve dans le prochain numéro. Mais avant, notre devinette du jour, saurez-vous m'identifier cet arbre fruitier ? À bientôt !